marwooyin iyo mudanayaal dhammaantiin habeen iyo maalin wanaagsan meel kastood nagala socotaan telefisyoonka caalamiga ee jamhuuriyadda jabuuti ee r t d waa barnaamijkeennii geeddisocodka horumarka toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa munaasibaddii xuska habeenka cutubka iyo gebagabayntii bandhigga caalamiga ee toddobaad ee sita jabuuti qaybta labaad ee barnaamijkeena geeddisocodka horumarka waxaan kaga warrami doonaa dabaaldeggii tartankii lagu soo bandhigay lebiska iyo dharka aadka u qurxoon ee xubnaha guddoonka bandhigguna ay sida wanaagsan u qiimeeyeen sancadda iyo farsamada wanaagsan ee lagu soo bandhigay munaasibadda. Barnaamijkeennii geeddisocodka horumarka oo inoo bilaabmayna waa kane, la socod wanaagsan. xuska habeenka cutubka iyo gebagabaynta bandhigga toddobaad ee sita jabuuti ayaa lagu maamuusay munaasibad si heer sare loo soo agaasimay oo lagu qabtay hotel campeski jabuuti. Marwada koowaad ee dalka ahna guddoomiyaha ururka qaran ee haweenka reer jabuuti, Marwo Khadre Maxamuud Xayd, hooyada ummadda jabuuti, ayaa hoggaanka u haysay guddoominta sare munaasibaddii lagu soo gebagabeeyey bandhiggii toddobaad ee sita jabuuti. Como
tahay xuska habeenka cutubka ayaa gabagabada bandhigga sita iyadoo ka qaybgalayaasha tartanka bandhigga la gudoonsiiyo abaalmarinada ay mutaysteen mas-uuliyiin ka mid a madaxda reer jabuuti iyo qaybihii martida inuu ahaa ayaa ka jeediyey munaasibadda khudbado ay si gaara ugu xuseen ahmiyadda bandhigga toddobaad ee sita jabuuti laba kun iyo koob iyo labaatan Je ne saurais venir ici prendre la parole sans, au nom du Salon du textile africain, au nom de l'ensemble de l'équipe du comité local, dire une fois encore merci beaucoup au grand panafricaniste que je nomme son Excellence Ismaël Omar Guelleh qui nous a permis de se réunir aujourd'hui. Permettez-moi, au nom de la Première Dame et marraine de cette somptueuse nuit, au nom de tous les Djiboutiens et Djiboutiennes, et en mon nom personnel, de vous souhaiter la bienvenue à toutes les délégations africaines ici présentes. Nous vous disons soyez les bienvenus chez vous ici, en terre de rencontres et d'échanges. Terre d'amitié et de partage, terre de culture millénaire, bienvenue dans notre belle capitale devenue depuis 3 jours la capitale des arts et des métiers du textile. Excellences, Madame la Première Dame, chers invités, permettez-moi de vous dire ma fierté d'être africaine ce soir, d'appartenir à ce beau continent, riche de son capital le plus précieux, des femmes et des hommes qui, pas seulement dans la filière du textile, mais également dans toutes les disciplines économiques générales, en général et en industrie culturelle en particulier, sont porteurs de lendemain meilleur. Excellence, Madame la Première Dame de la République de Djibouti, et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, marraine de la nuit du coton de la 7e édition du CITA, Madame Khadra Mahmoud Haït. Engouement et fierté, car la République de Djibouti a organisé avec brio et doigté l'événement international que nous clôturons ce soir et qui a réuni plus de 32 pays du continent noir. En effet, on parlait de la tenue de la 7e édition du Salon international du textile africain à Djibouti depuis plusieurs mois. Mais depuis 2 jours, nous le vivons après une cérémonie d'ouverture triomphale, hautement emblématique. Nous voici à la soirée des clôtures somptueuses qui nous réserve pleine de surprises. Depuis quelques jours, nous vibrons au rythme de l'Afrique et notre beau pays est devenu la capitale d'un grand rendez-vous, celui du textile africain. J'aimerais donc ce soir profiter de cette belle cérémonie, de cette belle occasion pour leur rendre un vibrant hommage
pour nous avoir éblouis par leur création et fait vibrer nos fibres panafricanistes. Et oui, il faut le dire, nous sommes tous panafricanistes dans l'âme, et les premiers panafricanistes n'est autre que notre président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, grâce à qui Djibouti a pu abriter le CITA. En effet, le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, disait dans son discours de la rentrée politique, je cite, « Nous multiplierons les opportunités en développant de nouveaux secteurs économiques pour décongestionner les débouchés professionnels. » Ainsi, pour le président de la République, les CITA est à même d'offrir des opportunités pour la décongestion des débouchés professionnels avec l'aubaine de renforcer la coopération Sud-Sud. Qaybta labaad ee barnaamijkeena geeddi-socodka horumarka waxaan kaga warrami doonaa dabaaldegii tartankii lagu soo bandhigay labiska iyo dharka aadka u qurxoon iyo abaalmarinadii aadka u qiimaha badnaa ee la guddoonsiiyey ka qaybgalayaashii ku guulaystay inay soo bandhigaan labis iyo dhar si heer sare loo sanceeyey. Qaybta labaad ee barnaamijkeena geeddi-socodka horumarka ayaa inoo haysaa faahfaahin intaasi ka badan. Quatre passages vont jalonner la présentation de la collection de Sagal, la tenue de ville. Qaybta gabagabeynta bandhigga ee xuska habeenka cutubka ayaa qaybta ugu muhiimsan bandhigga caalamiga CITA, iyadoo ah qaybta lagu soo bandhigo dabaaldegga tartanka lagu soo xulanayo ka qaybgalayaasha ku guulaystay in la guddoonsiiyo abaalmarinada. Habeenka u dambeeya bandhigga waxaa loogu magac daray xuska habeenka cutubka, waayo cutubka ayaa ka asal ahaan laga soo dheegay ee laga sanceeyey dhammaan dunta iyo marada laga tolay dharka lagu soo bandhigay munaasibadda ee lagu galay tartanka. Sidaasi darteedna cutubku uu yahay astaanta asaaska u ah bandhigga CITA. La troisième pièce de Sagal est également une tenue traditionnelle. Sa quatrième présentation, Sagal vous offre d'apprécier la tenue de créativité. Mesdames et messieurs, le bouquet final.
de la collection de Sagal, la grande créatrice de mottes djiboutiennes. On va faire un triomphe pour Sagal. Madame Elisabeth Yameogo va arriver du Burkina Faso pour son défilé. On va commencer avec la tenue de ville. Accueillez comme il se doit cette collection de Yameogo Elisabeth du Burkina Faso. De nouveaux amis, une nouvelle famille, on le trouve toujours la vie. La tenue de ville que vous venez de voir est actuellement la tenue traditionnelle du Burkina Faso. Tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs. C'est la collection de madame Yameogo Elisabeth du Burkina Faso. Markii la soo gabagabeeyay dabaaldegii tartanka lagu soo bandhigay noocyada kala duwan ee labiska iyo dharka qaaradda Afrika, waxaa loo gudbay in si rasmi ah loogu dhawaaqo cidda ku guuleysatay abaalmarinada oo ah abaalmarino kala qaabilsan dhinacyada kala gedisani farsamaynta iyo sanacada cutubka. Madame la Première Dame, avec votre permission, nous allons amorcer la série de remise de prix par la catégorie du meilleur mannequin, et pour connaître le nom du grand gagnant dans cette catégorie, nous allons appeler ici sur scène et à nos côtés Madame la ministre des Affaires sociales de Djibouti. Sous vos ovations, elle sera chargée de nous dire qui sera sacré meilleur mannequin du CITA 2021. La 7e édition est à la faveur de la nuit du coton. Voilà la charmante hôtesse qui nous ramène l'enveloppe qui contient le nom de celui ou celle qui sera élu meilleur mannequin de la nuit du coton. D'abord, bonsoir à tous, bienvenue à Djibouti. Quel honneur, Madame la Première Dame, de partager votre table. Merci. Alors le prix du meilleur mannequin est déclaré Ramsès du Cameroun. Ramsès du Cameroun, sacré meilleur mannequin 2021 à l'occasion de la nuit du coton et du CITA 7e édition. Il va repartir dans quelques instants. Vous restez s'il vous plaît, Madame la Ministre, le temps de la remise du prix du meilleur mannequin, composé d'un trophée mineur. Le trophée, s'il vous plaît. Le trophée à remettre à notre grand gagnant, meilleur mannequin 2021, à la faveur de la nuit du coton. L'attestation de suivre, s'il vous plaît. Et il repart, tenez-vous bien, avec la somme de 455 US dollars. 455 dollars américains. Le trophée reçu des mains de Madame la ministre des Affaires sociales. L'attestation et l'enveloppe. L'attestation à vous remettre, voilà. Et la somme de 455 dollars américains. La photo et vos applaudissements, s'il vous plaît, pour le meilleur mannequin. Je poursuis avec le prix
du stand de la créativité. La bonne ambiance pour le meilleur mannequin derrière, le prix du stand de la créativité. Et pour connaître le grand gagnant dans cette catégorie, nous allons appeler à nos côtés Madame la ministre de l'Habitat et de la Ville de Djibouti. Applaudissements s'il vous plaît pour Madame la ministre. Et là aussi ce sera très serré parce que cette année on a vu de magnifiques stands ça rivalisait en tout cas de beauté. Et je suis sûr que le jury a eu un sacré boulot pour trancher et désigner le meilleur stand, celui donc de la créativité à l'occasion du CITA 2021. Bonsoir, salam alaikum. Le prix du stand de la créativité est décerné au Togo. Le Togo qui remporte le prix du stand de la créativité. Un représentant du Togo, s'il vous plaît. Un représentant du Togo. Le Togo. Ah, c'est encore l'émotion en coulisses, on me dit. Ils sont en train de jubiler et fêter donc leur grande victoire. Le Togo, sacré prix du meilleur stand de la créativité. Et c'est vous qui allez remettre le trophée au Togo. Un trophée mineur, une attestation et la somme de 1766 dollars américains. Bravo, merci beaucoup, Madame la ministre. Alors, la catégorie reconnaissance. Et pour nous dire et remettre le prix de reconnaissance, nous allons appeler à nos côtés celle qui remettait justement les clés de la ville à l'ensemble des délégations qui ont effectué le déplacement de Djibouti. J'ai nommé Madame le maire de Djibouti que nous accueillons à nos côtés. Alors, je crois que c'est moi qui sera chargé de vous dire qui est reconnu ce soir, le trophée de reconnaissance, un trophée mineur, qui revient donc à Madame Ron Osman Omar de Djibouti. Madame Osman Omar, le CITA est partant la nuit du coton, est heureux de vous offrir ce trophée en reconnaissance de tout le travail que vous abattez pour la promotion du textile africain. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour Madame Ron Osman Omar de Djibouti. L'attestation et le trophée. Merci beaucoup. Merci à Madame le maire et félicitations à Madame Osman Omar. Un autre trophée de reconnaissance, celui-là est décerné à Dikobe Tcholofelo du Botswana. On va l'applaudir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Elle a fait connaître son pays à travers le monde grâce à sa nature artistique et créative sans pareil dans le domaine de la mode. Et par ses écrits, le talent donc qui établit sans faille la promotion du textile africain. Pour lui remettre son trophée, nous allons appeler à nos côtés Madame la secrétaire d'État chargée de l'investissement en reconnaissance de son travail de promotion de la culture et de la mode africaine. Le CITA, à travers la nuit du coton, a décidé de décerner un trophée à la styliste de renom et écrivain de mode, plusieurs fois primée d'ailleurs à travers le monde. On se rappelle son dernier sacre de CNN. Il y a eu plein d'autres prix qui ont été glanés du côté du Royaume-Uni, Dikobe Tcholofelo. Voilà, bravo. Et merci beaucoup,
Toutes nos félicitations, bonne continuation à Likobé. Et merci à la secrétaire d'État chargée de l'investissement. Et puis, une autre distinction majeure, distinction honorifique majeure à décerner à un homme d'affaires panafricain d'exception, dont la holding a des ramifications dans 14 pays africains, en commençant donc par la construction, secteur encore prédominant dans ses activités. Son groupe Ebomaf a réalisé un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros l'an dernier. La contribution de M. Mahamadou Bonkungu dans la tenue du CITA et dans la promotion du textile africain est devenue légendaire et le CITA a décidé ce soir de lui attribuer la distinction honorifique majeure pour lui témoigner sa gratitude, sa reconnaissance. Et pour recevoir ce prix, nous allons appeler le responsable, le premier responsable de IB Bank, Djibouti. Et pour remettre le trophée au directeur général de IB Bank Djibouti, je vais appeler à mes côtés Madame la ministre chargée de l'économie numérique et de l'innovation pour remettre la distinction honorifique majeure au PDG de Ebomaf, M. Mahamadou Bonkungu, représenté par son directeur général local de IB Bank, à ce grand artisan du continent africain qu'est M. Mahamadou Bonkungu, PDG de Ebomaf. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Madame la ministre chargée de l'économie numérique et de l'innovation de Djibouti. Place à présent, mesdames, messieurs, au prix du meilleur coton culteur africain. Donc demandez à Madame la ministre de la Femme et de la Famille de nous rejoindre ici sur le podium pour nous livrer le nom du meilleur coton culteur africain. Alors, l'enveloppe va suivre et vous allez nous donner le nom de celui qui sera désigné à l'occasion de la nuit du coton, meilleur coton culteur africain. Bonsoir à tout le monde. Le prix du meilleur producteur de coton est décerné à Bihoum Mbambou du Burkina Faso. Monsieur Bioun Bambou du Burkina Faso, une grande fierté pour l'Afrique. Bravo à monsieur Bioun Bambou qui reçoit donc à la faveur de la nuit du coton et par le truchement du CITA QV 2021, le prix du meilleur coton culteur africain. Il repart avec un trophée, je rappelle, une attestation et la somme de 2650 dollars américains. Merci beaucoup, félicitations à M. Bioun et merci à Madame la ministre de la Femme et de la Famille. La suite. Remise de prix avec cette fois-ci, mesdames et messieurs, le prix, un prix très attendu, le prix du meilleur styliste, le quatrième meilleur styliste de cette édition de la Nuit du Coton. Et pour connaître le nom du gagnant dans cette catégorie, nous allons appeler sur scène et à nos côtés le secrétaire général, la secrétaire générale du moins de l'Union nationale des femmes de Djibouti, Madame la SG. De l'Union nationale des femmes de Djibouti, s'il vous plaît, sur scène, pour nous donner le nom du quatrième meilleur styliste. Bonsoir tout le monde. Le prix du quatrième meilleur styliste est décerné à Elisabeth Yamego du Burkina Faso. Quatrième meilleur styliste à l'occasion de la nuit du coton,
Madame Elisabeth Yamehogo du Burkina Faso, qui va recevoir dans pas plus tard que tout de suite son trophée mineur, son attestation et la somme de 883 dollars américains des mains de Madame la secrétaire générale de l'Union nationale des femmes de Djibouti, et tout ça sous vos ovations bien nourries, mesdames et messieurs. Est-ce que le Burkina est présent ce soir? Est-ce que le Burkina Faso est là? Félicitations à Madame Yamehogo pour ce quatrième prix du meilleur styliste. Merci beaucoup. Voilà. À présent, la catégorie, enfin le troisième meilleur styliste de la nuit du coton, pour connaître le ou la gagnante, nous allons appeler à nos côtés Monsieur le ministre du Commerce et du Tourisme. C'est le grand suspense, le troisième meilleur styliste de la nuit du coton. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, l'enveloppe est là. Bonsoir, Monacé Cameroun. Monacé du Cameroun qui repart donc avec le prix du troisième meilleur styliste à l'occasion du CITA 2021 et à la faveur de la nuit du coton. Elle repart avec son trophée qu'elle reçoit même en ce moment des mains du ministre du Commerce et du Tourisme de Djibouti, l'attestation et la somme de 1325 dollars américains. À présent, le prix du meilleur styliste. Deuxième prix du meilleur styliste. Pour connaître le nom du gaillard, nous allons appeler le ministre de la Culture et de la Jeunesse de Djibouti. Alors, le prix du deuxième meilleur styliste est décerné à Émilie de Djibouti. Madame la ministre de la Jeunesse et de la Culture vient de nous livrer le nom de Émilie de Djibouti. Deuxième meilleur styliste à l'occasion de la nuit du coton. Elle reçoit son trophée mineur, une attestation et la somme, tenez-vous bien, de 1766 dollars américains. Félicitations. Bravo, Émilie. Et bonne continuation. Rendez-vous, pourquoi pas, l'année prochaine sur la plus haute marche du podium. Bravo. Merci beaucoup à Madame la ministre de la Jeunesse et de la Culture de Djibouti. Mesdames et messieurs, l'instant est solennel. Le prix du meilleur styliste CITA Djibouti 2021. Pour connaître le ou la grande gagnante dans cette catégorie, nous avons l'honneur d'appeler sur la scène de la nuit du coton Madame la Première Dame de Djibouti, présidente de l'Union nationale des femmes de Djibouti. La Première Dame de Djibouti. Le prix du meilleur styliste est décerné à Fashion Design Institute. Gilles Maurice. Prix du meilleur styliste CITA Djibouti 2021. La délégation qui reçoit les félicitations
de la Première Dame et qui reçoit son trophée, l'attestation et la somme de 2 650 $ américains. Félicitations à Fashion and Design Institute de l'île Maurice. Il faudra dire que le prix honorifique de Cita Djibouti 2021 revient légalement. Si on pouvait faire deux prix même, on allait le faire, deux prix honorifiques, parce que tout simplement, ce panafricanisme, un, a accepté d'abriter, et deux, a accepté de financer le CITA 2021. Il s'agit, si je me trompe, je ne vais jamais quitter Djibouti, il s'agit de son excellence, Monsieur le Président Ismaël Omar Guelleh. Et ce prix sera réceptionné par la première dame de Djibouti, présidente de l'Union nationale des femmes de Djibouti. Et c'est un trophée majeur, une attestation à remettre à son Excellence Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti. Est-ce que Djibouti est là ce soir? Est-ce que Djibouti est là ce soir? Intas ayaynu ku soo gabagabeyna barnaamijkeena geedi socodka horumarka tan iyo kulantideena dambe waxaan dhamaantiinba idin kaga tageyna sidaas iyo nabadgelyo.